Monsieur Pignon? Oui. Si je vous dis précisément ce qu'il faut lui dire, vous croyez que vous pouvez le faire? Par moments, j'ai un peu l'impression que vous me prenez pour un idiot, non? Hein? Mais oui, évidemment que je peux le faire! Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Bon, on pourrait se servir du bouquin qu'il avait écrit ensemble. Ok. D'accord, vous appelez Leblanc et vous lui dites que vous êtes producteur de films. Oui. D'accord, vous avez lu le roman et vous voulez acheter les droits pour le cinéma. Oh, c'est bien ça! Et en fin de conversation, vous lui demandez où est-ce que vous pouvez joindre sa collaboratrice. Quelle collaboratrice? Mais ma femme. Et puisque je vous ai dit qu'il a écrit un bouquin. Ah oui, avec non, elle. Oui, pardon, oui, excusez-moi, oui, bah oui. Non, oui. Oh, laissez tomber, ça marchera jamais. Non, mais si, j'ai compris, c'est bon. C'est pas simple ça, mais j'ai compris. Mais quoi, c'est pas simple? Mais c'est tout simple. Vous êtes producteur, d'accord? Vous avez une maison de production à Paris. Non, pas à Paris, il connaît tout le monde. Vous êtes un producteur étranger. Ok. Américain? Allemand? Belge. C'est parfait ça, belge. Mais pourquoi belge? Mais parce que c'est très bien belge. D'accord? Bon, vous êtes un gros producteur de cinéma belge. Ok? Vous avez lu Le Petit Cheval de Manège, c'est le nom du bouquin, et vous voulez acheter les droits pour le cinéma. C'est un bon livre. Très mauvais, quelle importance. Bref, ça m'embête un peu ça. Pourquoi? Ben, si le bouquin est mauvais, pourquoi est-ce que j'irai acheter les droits? Ben oui, ah, tout le sens. Monsieur Pignon, vous n'êtes pas producteur. Ben non. Vous n'êtes pas belge non plus. Non. Ce n'est donc pas pour acheter les droits que vous téléphonez, mais pour savoir où est ma femme. Ouh, mais c'est tordu ça! Ah, mais bougrement intelligent! Ah, là, bravo! C'est bon, c'est quoi le numéro? 01 47 40. Ah, il peut baisser le micro. Bon, il s'appelle juste Leblanc. Il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire. C'est juste Leblanc. Monsieur Pignon, Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Vous, votre prénom, c'est François, c'est juste. Oui. Bon, mais lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, laissez tomber, on a assez perdu le temps comme ça. Oui. Bon, ma femme a signé son roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guirec. Allez, Bretonne! Je vous en prie, restez concentrés. Et vous n'oubliez pas, hein, en fin de conversation, vous demandez où est-ce que vous pouvez joindre sa collaboratrice, Christine Le Guirec. Ok, ça sonne. Je vous mets sur haut-parleur, c'est à vous. Je fais l'accent belge? Ça sonne. Allô? Allô, pourquoi je parle à M. Leblanc juste une fois?